Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette énorme vidéo récap dans laquelle on va reprendre ensemble 60 informations à connaître absolument au sujet d'Anthem. Alors ce sont des infos qui nous viennent directement des développeurs comme par exemple Ben Harving ou encore Michael Gamble ou enfin Mark Dara, des infos qui nous viennent des différents sites internet ou encore des réseaux sociaux tels que Twitter. Il y a également une Q&A qui est sortie récemment et qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus au sujet de ce futur opus qui va faire scandale. Alors c'est parti, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec la première info. Il y aura des événements optionnels dans Anthem. L'événement optionnel tel que celui de la tempête que vous avez pu apercevoir lors de la dernière journée de la démo ouverte le 3 février qui a amené une immense tempête dans le ciel ainsi que des titans de cendres, et bien cet événement optionnel ainsi que beaucoup d'autres pourront être de nouveau reproduits dans le jeu sous d'autres formes à d'autres moments, mais sachez que ces événements seront disponibles tout au long de votre aventure sur Anthem à différents moments du jeu. Il y aura également des cataclysmes qui sont eux aussi des sortes d'événements optionnels qui auront leur propre cycle météorologique. Il s'agira de contenu limité dans le temps et de niveaux de difficulté variables. Info numéro 2, BioWare et EA annoncent que leur fenêtre de communication s'étendra avec la communauté sur Discord, sur Reddit, sur différents livestreams, donc probablement via Twitch principalement, et enfin à travers différents bulletins d'information et feuilles de route comme on a pu le voir précédemment. Info numéro 3, 40 millions d'heures de jeu ont été cumulées pour la démo ouverte d'Anthem, ce qui est un très très gros record. Fun fact numéro 4, 4,7 millions de Grabbids, vous savez ces adorables petits lapins avec des dents un petit peu douteuses, ont été tués à l'occasion de la démo ouverte. Mais le saviez-vous, il y aura un secret lié à ces fameux Grabbids à faire à suivre. Info numéro 5, la customisation du pilote sera malheureusement très limitée. Vous pourrez choisir le sexe de votre pilote, sa voix et enfin l'apparence globale de son visage selon un portefeuille de choix déjà préétabli. Vous ne pourrez donc pas personnaliser différents aspects du visage ou du corps de votre pilote. En effet, la customisation sera principalement axée sur le javelin et non sur le pilote. Info numéro 6, vous ne pourrez pas verrouiller votre équipement, faites donc très attention lorsque vous souhaiterez le démanteler. Info 7, le stuff pourra être utilisé par différents javelins à l'exception de quelques pièces d'équipement qui seront quant à elles uniquement dédiées à un seul javelin, mais elles seront plutôt rares. Info 8, il n'y aura malheureusement pas de chat sur PC prévu au lancement. Info 9, les loots de niveau bleu, violet et jaune vous seront envoyés si vous les oubliez lors de vos différentes activités. En revanche, les loots de niveau inférieur, s'ils ne sont pas récupérés, seront perdus. Info 10, il y aura des serveurs dédiés. Info 11, pas de trafic et d'échange prévu dans le jeu. Les loots seront personnels et il n'y aura pas de vol possible, d'ailleurs il ne manquerait plus que ça. Info 12, de nombreux bugs ont déjà été corrigés depuis la démo. Info 13, il y aura des patch notes day 1, c'est-à-dire les 15 et 22 février au moment du lancement du jeu. Ne soyez pas surpris par cette décision, au contraire, voyez les choses d'un œil plutôt positif, cela montre que les développeurs sont vraiment actifs sur la correction et l'ajustement de leur jeu. Info numéro 14, on ne pourra pas virer les joueurs inactifs de notre escouade. Alors ça c'est un très gros point noir. Ils se feront bien sûr déconnecter automatiquement une fois que ceux-ci seront inactifs depuis un certain temps, mais si vous vous faites rejoindre par un joueur indésirable, eh bien vous ne pourrez pas l'exclure de cette escouade. Faites donc très attention au moment du paramétrage de votre escouade. Info numéro 15, il n'y aura pas de mode photo au lancement du jeu, mais c'est quelque chose qui est à l'étude bien évidemment. Info numéro 16, en cours de mission, les joueurs ne pourront pas s'éloigner trop les uns des autres ou trop longtemps. En monde ouvert, en revanche, vous serez totalement libre et pourrez vous répartir complètement sur la map. Info 17, les forteresses seront forcément en matchmaking. Vous ne pourrez donc pas soloter ces dernières, du moins pour le début du jeu. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont le changement est prévu prochainement. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Info 18, vous pourrez croiser des randoms dans le monde ouvert. Info 19, il y aura un espace social, la baie de lancement, dans lequel vous pourrez croiser jusqu'à 15 autres joueurs en plus de vous-même. L'info 20 concerne Fort Arcis qui, à l'inverse, s'expérimentera donc en solo. Vous pourrez y faire des choix liés aux questions des différents PNJ que vous y croiserez. Info 21, il n'y aura pas de loot spécifique aux forteresses et aux boss dans Anthem, du moins pas pour le moment, mais c'est une option que les joueurs ont suggérée aux développeurs et qui est donc à l'étude actuellement.
Info 22, les javelins auront très probablement de nouvelles habiletés lors des prochaines mises à jour de contenu. Alors bien sûr, n'attendez pas de nouvelles habiletés dès le début, dès le lancement du jeu, dès les premières mises à jour, celles de mars, etc. Mais peut-être un petit peu plus tard dans l'année. Info numéro 23, si vous êtes niveau max avec votre javelin, l'XP gagné en delà ne sera pas permis puisque tout XP gagné sera toujours utile à quelque chose. Plus d'infos sur cela prochainement de la part des développeurs. Point numéro 24, vous pourrez sauvegarder différentes configurations de javelin afin de les réutiliser ultérieurement. Point 25, vous looterez même si vos missions sont un échec, en qualité moindre bien évidemment. Info numéro 26, vous pourrez équiper intégralement votre javelin en stuff de haute qualité. Vous pourrez donc faire un javelin total gold et sans limite si cela vous chante. La seule limite en revanche sera d'atteindre un certain niveau de votre javelin pour pouvoir équiper les items en question. Info 27, grande tristesse, il n'y aura pas de PVP, du moins pas pour le moment, dans Anthem. Info 28, le mode spectateur en attente de réanimation est disponible. Vous pourrez donc switcher sur les autres joueurs en attendant que ceux-ci viennent vous réanimer. Info 29, au sujet de la réa justement, il n'y aura pas de timer. Vous pourrez donc prendre tout votre temps pour assurer la résurrection de vos alliés, surtout si vous êtes le dernier. Info 30, vous ne pourrez pas inspecter les équipements des autres joueurs en coopération, du moins pas pour le moment également, mais c'est quelque chose qui est tombé dans l'oreille des développeurs. Info 31, les vinyles ne pourront pas être modifiés au moment de la customisation de votre javelin. Info 32, des items peuvent être craftés nécessitant des consommables que vous allez pouvoir collecter dans les différentes activités dans le monde ouvert, etc., etc. Info 33, pas de marqueur sur la carte, mais c'est là encore quelque chose qui est à l'étude. Info 34, le monde ouvert possédera lui aussi plusieurs niveaux de difficulté. Vous avez d'ailleurs déjà pu l'expérimenter à l'occasion des deux dernières démos. Info 35, la progression de la campagne sera propre à votre personnage. Vous ne pourrez donc pas jouer les missions de votre collègue si vous n'êtes pas au même niveau que lui. Par exemple, si l'un d'entre vous dans les squads est d'un niveau plus avancé, il faudra donc attendre d'abord de finir les missions du joueur le plus bas en premier. Info 36, les loots seront au niveau de votre propre pilote, même si vous jouez avec un collègue plus ou moins haut level. Info 37, l'équipement des javelins ne pourra pas être augmenté. Vous pourrez en revanche le looter dans un niveau supérieur ou encore le crafter en espérant obtenir des niveaux différents. L'info 38 concerne le gros débat au sujet de l'arbre de compétences du pilote. Il a été annoncé qu'il y aurait un arbre de compétences, mais au final, celui-ci semblera ne pas être disponible au lancement du jeu. Il viendra un peu plus tard, il n'est possiblement encore en développement pour le moment. Info 39, les javelins qui utilisent leur ulti seront immortels, mais seul l'intercepteur pourra se déplacer lorsqu'il est en ulti, du moins de façon suffisante pour pouvoir réanimer ses collègues durant ce laps de temps. Point numéro 40, contrairement aux apparences, les javelins vont tous à la même vitesse. Ce sont juste les impressions qui sont liées au maniement de ces derniers qui font que certains vous semblent plus lourds que d'autres, mais en réalité, ils vont tous à la même vitesse. Point 41, les ajustements ont donc été effectués comme je vous l'ai dit depuis la démo, comme par exemple l'équilibrage des javelins a été revu, le temps de chargement a été réduit et enfin vous pourrez dorénavant sprinter dans Fort Arcis. Point numéro 42, il n'y aura pas de crossplay, c'est-à-dire pas de cross-plateforme de prévu pour le moment. Info 43, il y aura un bastion avec des défis concernant des objets collectionnables. Info 44, il y aura des intrigues, notamment liées à des personnages tels que Mathias, Brynn, Yaro ou encore Dax. Info 45, il y aura des défis liés aux armes, comme par exemple faire 50 frags, tuer différents ennemis, des ennemis élites, etc., etc. Ceci afin de débloquer des plans de fabrication de ces armes en niveau de rareté supérieur. Vous retrouverez également la même option pour les équipements des javelins. Info 46, en monde ouvert, il y aura des contrats, des données à récolter pour le cortex, ce qui constituera la base solide du prochain lore. Il y aura également 10 différentes régions pour lesquelles il faudra découvrir à chaque fois des secteurs, des sites et des lieux cachés. Info 47, vous aurez également des objectifs à honorer sous forme de tâches à accomplir pour trois causes différentes. La cause des freelancers,
celle des arcanistes et enfin celle des sentinelles. Info numéro 48, contrairement à ce qui a été annoncé par BioWare dans une interview, les niveaux de difficulté Grand Master 2 et 3 ne seront pas bloqués au lancement du jeu. C'est ce qui était prévu, mais leur décision a finalement été annulée. Ces niveaux seront donc accessibles, mais une fois après avoir atteint le niveau 30. Ce niveau 30 étant bien sûr le niveau maximum prévu pour le moment. Info numéro 49, il y aura 3 premières mises à jour. Ces mises à jour seront déployées dès le mois de mars, c'est-à-dire le mois qui suit le lancement du jeu, dans ce qui sera nommé l'acte 1, les échos de la réalité. Alors ces mises à jour se nomment quant à elles Evolving World, Stronger Together et Cataclysm. Ces 3 mises à jour, en outre, nous promettent de nouveaux événements, de nouvelles récompenses, une extension du système de progression, une nouvelle forteresse, l'arrivée des guildes, de nouvelles missions et enfin un mode cataclysme. Donc ces mises à jour, y compris le cataclysme et la forteresse, seront totalement gratuites, comme tout le contenu additionnel prévu sur un thème. Il n'y aura pas de season pass, en gros tout ce qui est payant, ce sera uniquement des choses cosmétiques qui n'ont rien à voir avec l'XP et les compétences de vos personnages. Point numéro 50, une sorte de mode de donjon infini généré aléatoirement est envisagé par les développeurs actuellement, mais c'est un mode à l'étude qui n'est pas prévu pour le lancement du jeu. Point numéro 51, de la même manière, un mode horde est actuellement à l'étude. Info 52, une activité similaire à une activité de type raid sera prévue également prochainement. Il s'agira d'une coopération qui nécessitera une très grande coordination entre les joueurs, une activité de haute difficulté qui promet une très haute intensité dans le gameplay. Info numéro 53, une info qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux, un accès anticipé sera disponible, le jeu sera donc jouable dès le 15 février pour certaines personnes, en l'occurrence pour tous les membres Origin Access Premier et EA Access Illimité, ces fameux access qui vous coûtent une quinzaine d'euros par mois pour pouvoir jouer au jeu en avance. Info 54, les missions pourront être rejouées sous deux conditions, en recréant un pilote ou alors en jouant avec l'un de vos collègues qui ne les aurait pas encore faites. Info 55, la campagne entière est solotable ou à l'inverse jouable en coop. Info 56, le niveau des ennemis se cale sur le niveau du joueur le plus bas de votre escouade. Point numéro 57, la quantité d'ennemis ainsi que la difficulté de la mission s'adaptent à la taille de votre escouade. Plus l'escouade est grande, plus la mission sera difficile. Info 58, la notion de difficulté dans Anthem se base essentiellement sur la santé et sur les dommages. Concernant la santé, ce sera par exemple sur sa diminution, celle de votre personnage, ou encore sur le délai de son recouvrement. Concernant les dommages, on pourrait s'attendre par exemple à des dégâts amoindris ou alors à des dégâts subis augmentés. Avant-dernière info, les ennemis pourront subir différents effets de statut en simultané. Et enfin, dernière info, numéro 60, les bonus de combo ne seront attribués qu'à celui qui en est le détonateur. Donc concernant ces deux derniers points, pas de panique, je vous réaliserai très prochainement une toute autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai le système de combo, le système d'amorce et de détonation dans le jeu qui est tout un art au final. Sachez simplement que les bonus de combo ne seront attribués qu'à celui qui en sera le détonateur, c'est-à-dire celui qui créera en définitive la combo finale. Et voilà, j'ai fait le tour des 60 infos clés à retenir au sujet d'Anthem. Il y en aura tellement encore à vous dire, mais pour le moment, ce sont les infos principales concernant le jeu. Si vous avez d'autres infos que vous souhaitez vous aussi partager à la communauté, n'hésitez pas à nous en faire part dans l'espace commentaire. Toute info est bien sûr la bienvenue. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour plein d'autres infos, plein d'autres astuces au sujet d'Anthem. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde !